Bonjour à tous, mon nom est Michel Boyer, je suis responsable des études de premier cycle au département d'informatique. Et après avoir vu la liste des gens qui se sont inscrits, d'avoir vu des gens d'un peu partout sur la planète, il faudra peut-être ajuster un peu la présentation qu'on s'était donnée. Ce dont je veux parler, c'est d'abord des programmes qui attirent la plus grande majorité des étudiants, les programmes qui ouvrent sur des études supérieures. Ces programmes-là, ce sont des programmes de baccalauréat. Il faut faire attention pour les gens qui ne sont pas du Québec. Ils sont peut-être habitués à entendre parler de majors in computer sciences. Ce qu'on appelle une majeure en informatique, ce n'est pas un major, ce n'est pas un programme qui mène directement aux études supérieures. Donc, ce dont je vais parler d'abord, ce sont vraiment des baccalauréats qui permettent par la suite de faire des études supérieures et bien sûr d'entrer sur le marché du travail. Donc, le programme qui attire le plus d'étudiants chez nous, c'est le baccalauréat en informatique. C'est un programme de 3 ans. En général, on considère qu'une année, c'est 30 crédits. Les cours ici sont chacun de 3 crédits. Donc, ça donne une idée que finalement, si un programme est de 120 crédits, c'est un programme de 4 ans. Et si un programme est de 60 crédits, on le considère comme un programme de 2 ans. Donc, ici, notre bac en informatique, c'est un bac de 3 ans. C'est un programme de formation générale qui offre, qui ouvre sur les carrières, autant en entreprise qu'en recherche académique. On a une orientation générale qui attire la plus grande majorité de nos étudiants. Maintenant, une orientation coop qui attire de plus en plus d'étudiants. C'est une orientation avec 3 stages. Par contre, une orientation qui oblige de commencer à la session d'automne et qui oblige aussi de terminer en 3 ans de calendrier, ce qui fait que certains étudiants trouvent ça un peu serré, mais ça ouvre des portes, bien sûr, sur l'industrie. Les 3 stages sont obligatoires dans ce programme-là. On a un cheminement accéléré qui permet de faire les études en 2 ans de calendrier, mais encore là, c'est automne-hiver-été, automne-hiver-été. Donc, c'est 6 trimestres toujours. Et on a un cheminement en or qui ouvre plus rapidement sur la recherche, parce que ça permet de prendre déjà au premier cycle, des cours de deuxième cycle. Donc, le bac en informatique offre une solide formation en maths. Le bac en mathématiques et informatique offre une solide formation en mathématiques et en informatique. Donc, on appelle ça un programme bidisciplinaire. C'était prévu pour être moitié-moitié mathématiques, moitié-moitié informatique. Et en fait, quand on a terminé les cours obligatoires du programme, où en principe il y a la moitié de mathématiques et la moitié d'informatique, on a une liberté de choix ensuite dans les cours optionnels, soit qu'on veut en faire en mathématiques, plus en mathématiques ou plus en informatique. C'est un programme qui est apprécié par en particulier les gens qui font de l'apprentissage machine. C'est un programme aussi qui est apprécié par les gens qui aiment les aspects théoriques de l'informatique. Donc, 2 orientations possibles, l'orientation générale, c'était la seule orientation jusqu'il y a 2 ans. Maintenant, il y a une orientation en sciences de données où il y a plus de cours de statistiques et auxquels ça permet aussi de prendre des cours d'actuariat, cours qui ne sont pas disponibles dans l'orientation générale. J'ai dit au départ que ce qu'on appelait major aux États-Unis ou dans le restant du Canada, ça ne correspond pas à notre majeure. La majeure, c'est un programme de 60 crédits. Donc, ça correspond essentiellement à 2 ans de cours. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire le programme en 2 ans de cours. Ce qui est encore plus vrai, c'est que la mineure de 30 crédits ne peut pas se faire en 1 an. Pour la simple raison qu'il y a des préalables au cours qui font en sorte que si on suit la suite des préalables, ça prend au moins 3 trimestres, peut-être un peu plus. Donc, voilà pour ces programmes qui sont de premier cycle.
Ce qu'il faut dire ici, c'est que la majeure, tous les cours de la majeure appartiennent au baccalauréat en informatique. Tous les cours de la mineure appartiennent au baccalauréat en informatique. Il est possible d'être admis à la majeure en informatique et ensuite de décider de continuer au baccalauréat en informatique. Et tous les cours qu'on aura faits à la mineure ou à la majeure sont transférés au baccalauréat en informatique. Donc, il n'y a pas de problème d'être admis à la majeure. Certains étudiants font une demande d'admission au baccalauréat, ensuite à la majeure, ensuite à la mineure, en se disant que peut-être ils ne seront pas acceptés au baccalauréat, mais il y a peut-être des chances d'être acceptés à la majeure ou à la mineure. C'est un fait. Ça n'est pas grave. Si on performe bien, soit à la majeure, soit à la mineure, ensuite on peut passer au baccalauréat. Ce qui est aussi vrai, c'est qu'on peut jumeler ces programmes-là. On peut jumeler une mineure à une majeure dans une autre spécialité et obtenir un baccalauréat. Ou on peut jumeler trois mineures dans des spécialités distinctes et obtenir un baccalauréat. Je reviens là-dessus pour un autre programme un peu plus tard. Donc, remarque, bon, je pense, ici, tout le monde sait que la demande est très forte pour l'informatique sur le marché de l'emploi. Ça doit être la même chose un peu partout sur la planète. C'est un domaine qui est passionnant avec beaucoup de défis. Dans notre programme, il y a aussi la possibilité de faire une session ou même deux sessions à l'étranger, donc une session d'études à l'international. On peut faire aussi de la recherche dans un laboratoire. Plusieurs étudiants le font, soit à l'intérieur d'un court projet qui appartient au programme, soit tout simplement en profitant de bourses qui sont données par des organismes subventionnaires et qui permettent aux professeurs d'engager des étudiants pour travailler dans leur laboratoire durant l'été. Et nos laboratoires sont extrêmement riches et c'est une opportunité dont profitent plusieurs étudiants. Pour l'orientation au Nord, j'ai mentionné déjà qu'il y a des cours de niveau maîtrise qui sont disponibles dans cette orientation-là. Alors là, ici, j'ai mis le lien où on trouve l'information utile sur l'ensemble de nos programmes à partir du site de notre département. Et je pense que c'est un lien qui vaut la peine de mémoriser, de prendre en note. Je vais revenir et je vais aller sur ce lien-là. Donc, ici, on est sur le lien mentionné. On peut cliquer, bon, il y a toutes sortes de choses intéressantes, on va cliquer ici sur les programmes de premier cycle. Je vois qu'on a le baccalauréat, la majeure, la mineure. On mentionne aussi le baccalauréat en bioinformatique. Alors, ça, c'est un autre département qui s'en occupe. Le bac en physique et informatique, c'est un autre département qui s'en occupe. Donc, ce dont je vais parler tout de suite, c'est le bac en info, la majeure et la mineure. Et je vais tout de suite regarder, on pourrait cliquer sur le guide des études de premier cycle qui donne toutes sortes d'informations sur les étudiants une fois qu'ils sont admis. Je pense que pour le moment, ce qui est peut-être utile, c'est d'aller voir des choses plus particulières pour, disons, le bac en informatique. On mentionne ici que pour être admis à partir du cégep, il faut une cote R de 25. C'est aussi vrai pour la majeure et la mineure. Maintenant, pour les étudiants qui arrivent de l'étranger, et là, dans les gens qui sont inscrits, on avait beaucoup, je pense que ça vaut la peine de regarder ici les conditions d'admissibilité. Oh, je n'avais pas prévu que ce soit si gros. Donc, les conditions d'admissibilité, on mentionne encore ici que la cote R minimum, c'est 25. Ce qu'il faut mentionner, c'est qu'on a une liste ici de programmes qui sont jugés équivalents pour les études à l'étranger. Et là, on peut cliquer ici sur un programme, par exemple, je ne sais trop quoi, disons l'Arabie Saoudite. Ça dit que quelqu'un qui vient d'Arabie Saoudite, s'il a ce programme-là, il doit faire une année additionnelle avant d'entrer au baccalauréat en informatique. Donc, quelqu'un qui veut appliquer en informatique à partir d'un programme pour lequel c'est écrit « oui », en fait, il doit faire une application au bac en informatique
Et dans la réponse, on va l'admettre non pas au bac en informatique, mais à un baccalauréat 4 ans. Donc, ça va devenir un programme de 120 crédits au lieu de 90 crédits. L'année zéro, si on veut, c'est la première année des 4 ans des programmes qu'on retrouve dans les universités américaines ou à l'extérieur du Québec. Donc, c'est cette année-là à faire qui est une année préparatoire. Maintenant, pour d'autres pays, on peut entrer directement chez nous. Par contre, on peut encore vérifier d'autres conditions d'admissibilité. Il y a une condition additionnelle. Il ne suffit pas d'avoir, disons, d'être dans un pays où le programme d'études est admis, est accessible. Par exemple, quelqu'un qui a terminé un lycée en France, qui a pris l'option mathématiques en dernière année, donc en première et en terminale, il est admissible dans notre programme. Par contre, s'il n'a pas pris mathématiques spéciales en terminale, on va lui demander de faire un cours additionnel, un cours Math 1905. Par contre, si un étudiant, quel qu'il soit, n'a pas les cours ici, maths 103, maths 105, maths 203, alors là, on va pas l'accepter, il ne sera pas admis, il devra faire ces cours-là dans un autre programme ici à l'université. Donc, ces cours-là, c'est le cours de calcul différentiel. La description est ici, donc c'est pour les fonctions d'une variable, le cours de calcul intégral. Ça correspond à Calculus 1 et Calculus 2 dans les universités américaines, mais notre cours de calcul 1 est un cours plus avancé, c'est sur les fonctions de plusieurs variables. Et il faut aussi avoir fait un cours d'algèbre linéaire, dans le plan, dans l'espace, des résolutions d'équations, des matrices. Voilà la formation qu'on s'attend d'un étudiant qui est admissible en informatique. Donc, voilà pour nos programmes notre programme de baccalauréat. Maintenant, si je reviens sur notre page Odiro, on peut regarder, disons, la majeure en informatique. Les exigences vont être exactement les mêmes. Et si je faisais pour la mineure en informatique, les exigences seraient aussi les mêmes. Donc, ça prend ces mathématiques-là pour être admissible à nos programmes de baccalauréat, de majeur et de mineur. Et là, on va maintenant regarder un programme où tel n'est pas le cas. Il s'agit du certificat en informatique appliquée. C'est un programme qui était prévu essentiellement pour des gens qui sont déjà dans le métier. Des gens qui veulent tout simplement avoir un complément de formation. C'est un programme de 30 crédits, donc ça correspond en principe à une année. Pour quelqu'un qui a déjà fait un petit peu d'informatique, c'est possible de le faire en un an. C'est un programme qui peut être jumelé, bon, comme toute mineure, qui peut être jumelé à des majeurs dans d'autres spécialités ou à plusieurs mineurs. Et là, il y a des baccalauréats avec appellation. Il y en a un en analyse d'affaires qui est délivré par les hautes études commerciales, un en finance, un en gestion de projet, un en gestion et sécurité des systèmes d'information. Donc, en allant chercher notre certificat en informatique appliquée, en allant chercher des certificats aux études commerciales, on obtient un bac avec un nom qui s'appelle baccalauréat en gestion de projet, par exemple. Et on peut aussi jumeler avec d'autres certificats, par exemple en sécurité à l'École polytechnique, ou tout simplement des mineurs qui appartiennent à la faculté des arts et des sciences ou à la faculté de l'éducation permanente. Il suffit d'avoir trois mineurs ou trois certificats, ou mélanger les mineurs et les certificats, en avoir trois. Il faut, par contre, il y a la condition qu'il ne faut pas qu'il y ait de cours en commun ou de cours dont les contenus se recoupent. Et là, on fait une demande d'un baccalauréat par cumul à l'Université de Montréal. Je vais continuer à faire un petit peu le parcours ici parce que le certificat en informatique appliquée a son lien ici. Donc, on peut regarder quelques détails.
On peut voir la structure du programme, l'offre de cours. Je vais ici tout simplement montrer rapidement ce que ce programme-là permet de faire. Donc, c'est vraiment très pratique. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, c'est des cours de langage, des cours de complément d'information, des cours d'administration de système, base de données, sécurité réseau, des cours de multimédia, jeux vidéo, multimédia. Et bon, pour la programmation Internet, il y a PHP, ASP, XML. Et bon, il y a des cours l'automne, l'hiver, l'été. Quand c'est jaune, ça se donne l'été. Quand c'est bleu, ça se donne l'hiver. Et quand c'est orange, ça se donne... Attends une minute. Il y a l'hiver, l'automne et l'été. Donc, ça devrait être l'automne. Parce que les feuilles sont rouges ici, l'automne. Alors là, peut-être que je fais comme ça. Et peut-être que je fais comme ça. Et là, je suis rendu sur les généralités concernant le programme que je viens de décrire. Donc, il y a des trucs en multimédia, des trucs en application mobile. Donc, ça donne... Je crois que ça complète ce que je voulais raconter sur les programmes qui sont dits de premier cycle. Par contre, il y a peut-être un commentaire que je n'ai pas fait. Il y a un commentaire que je n'ai pas fait et qui mérite d'être fait. Alors là, c'est sur les conditions d'admission. Les conditions d'admission ici sont de 20 contrairement à 25, ce qui veut dire que les conditions d'admission sont beaucoup plus libérales, d'une part. D'autre part, les contraintes de mathématiques que j'ai mentionnées pour l'admission au baccalauréat en informatique n'existent plus. Donc, un étudiant peut, avec l'équivalent de 20 au cégep, donc une note plus faible, sans avoir fait des mathématiques de niveau cégep, être admissible au certificat en informatique appliquée et obtenir éventuellement un baccalauréat en le jumelant à d'autres programmes. On est maintenant prêt, je crois, pour parler des études supérieures. Et là, je vais laisser Nadia El Mabrouk parler des programmes qu'elle gère. C'est un petit peu compliqué. Merci Michel, merci. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Nadia El Mabrouk, donc je suis la responsable des études supérieures au DIRO. Voilà, donc je vais vous parler des programmes de deuxième et troisième cycle. Donc, la maîtrise en informatique, le DESS en apprentissage automatique et le doctorat en informatique. Alors, donc, pourquoi venir faire ces études chez nous? Ben, premièrement, parce que vous avez chez nous des chercheurs de renommée internationale. On va voir quelques images, mais je pense que vous en connaissez quelques-uns. Alors, vous avez le choix dans une panoplie de cours. Attends, non, ok, bon. Je lisais, Michel. Oh. Ok, regarde, attends que j'ai fini de lire, je te dis, d'accord, quand je veux que tu changes. Donc, vous avez une panoplie de cours dans un large éventail de domaines informatiques. Alors, moi, je vais pas aller sur les... Je vais pas faire les liens comme Michel a fait, là, sur le lien du programme et tout ça. Mais bon, Michel vous a montré la page où vous pouvez accéder aussi. Donc, vous avez un lien vers les études de premier cycle. Vous pouvez aussi aller voir les études de deuxième cycle, de troisième cycle. Et là, vous allez voir tous les cours. OK. C'est ça. Alors, donc, vous allez voir que vous pouvez faire votre maîtrise avec un mémoire, donc une maîtrise recherche. Mais vous avez aussi ici la possibilité de faire une maîtrise avec stage, donc dès la maîtrise, avoir un pied dans l'entreprise et puis pouvoir plus facilement ensuite être intégré sur le marché du travail. Et puis, vous avez la possibilité aussi de faire une maîtrise, d'être intégré, possibilité d'être intégré au MILA. Alors, c'est quoi le MILA? Eh bien, c'est l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Donc, sûrement, vous en avez entendu parler. Donc, c'est un groupe de recherche parmi les plus importants dans le monde en intelligence artificielle et en apprentissage automatique. Alors, c'est un groupe qui a été fondé par Joshua Bengio et puis en collaboration avec… Donc, en fait, il y a quelque chose comme 900 chercheurs au MILA, donc des professeurs de l'Université de Montréal, mais de McGill, de Polytechnique, d'HEC. Alors, donc, c'est un… Voilà. Et donc, vous allez voir, donc il y a la possibilité de faire une maîtrise en partenariat avec le MILA. Alors là, tu peux changer, Michel. Voilà. Alors, ici, donc, c'est une petite brochette de professeurs
au du Diro, mais vous en avez deux autres devant vous, donc Michel Boyer et puis moi-même. Donc Michel, il est en informatique théorique et quantique, et puis moi, je fais de la bioinformatique. Alors ici, vous voyez par exemple Gilles Brassard qui fait de l'informatique quantique, Emma Fréginger et Margarita Carvalho qui sont en recherche opérationnelle. Alors vous savez que le département d'informatique a au début, toujours là, mais un grand pôle de recherche en recherche opérationnelle, donc est connu en particulier pour le domaine de la recherche opérationnelle. Alors vous avez deux profs ici qui sont en recherche opérationnelle avec en particulier des applications dans le domaine des transports. Alors Yoshua Bengio, que vous connaissez bien, donc dont je viens de vous parler, qui a fondé le MILA, donc qui travaille en machine learning. Et puis d'autres professeurs ici, donc en génie logiciel, etc. Alors donc voilà, c'était pour vous dire que vous avez une panoplie de branches de l'informatique sur lesquelles vous pouvez travailler au DIRO. Alors vas-y Michel. Alors la maîtrise en informatique, donc vous irez voir pour les détails, mais donc. Alors, pour les conditions d'admission, ça prend un équivalent d'un bac en informatique, donc suffisamment des cours, un équivalent d'un bac en informatique. Et puis, avec une moyenne, ici, au Canada, au Québec, ça prend une moyenne de 3 sur 4,3 pour être admis. Alors, l'admission se fait à l'automne et à l'hiver. Donc, les étudiants qui sont admis à la maîtrise, eh bien, avec leur directeur, avec leur directeur de recherche, ils s'entendent sur un plan de financement sur 2 ans. Donc, c'est une formation qui se fait en 2 ans. Et là, comme je vous dis, là, vous avez la possibilité de faire une maîtrise une maîtrise recherche. En fait, c'est le plus fréquent. Hein. Et donc, pour la maîtrise recherche, c'est 4 cours et puis une recherche qui aboutit sur un mémoire. Voilà, ou alors vous pouvez faire une maîtrise stage ou alors même une maîtrise avec travaux dirigés, donc un stage en entreprise. Et donc, vous devez identifier l'entreprise et puis trouver un professeur ici qui accepte de superviser le stage. Ou alors, vous pouvez aussi faire une maîtrise avec travaux dirigés et donc deux projets avec un professeur. Donc, vous pouvez le faire, donc, comme je vous dis, hein, les spécialités sont nombreuses. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que vous n'êtes pas, je vous ai un peu parlé des conditions d'admission. Alors, avoir identifié un directeur de recherche ne fait pas partie des conditions d'admission. Et donc, voilà. Mais par contre, après ça, vous devez identifier un directeur de recherche. Vous avez, disons, une session pour identifier un directeur de recherche. Et je dois dire que c'est pas mal mieux, hein, ça fait un plus dans le dossier d'admission d'avoir discuté. En fait, le mieux, c'est de savoir dans quel domaine vous voulez faire votre mémoire de recherche et puis aller contacter des professeurs, leur envoyer votre CV et donc avoir des contacts, vous assurer d'avoir une direction de recherche avant de commencer. Premièrement, ça vous donne un plus pour être admis. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas une condition d'admission, mais vous devez en trouver un. Et puis, il n'y a pas de garantie non plus quand vous êtes admis que vous allez avoir un directeur de recherche. Alors, moi, je vous conseille, en particulier si vous voulez faire une recherche, une maîtrise de recherche, eh bien, de commencer avant même d'être admis, de lier des contacts avec un professeur. Alors, tu peux passer, Michel. Alors, la maîtrise professionnelle, en fait… Ah oui, alors donc si vous allez naviguer sur le programme de maîtrise, donc vous allez voir qu'il y a différents blocs à options. Bon, alors quand vous demandez l'admission à la maîtrise, vous n'êtes pas obligé d'identifier un bloc à options. Alors vous avez l'option générale, l'option imagerie, intelligence artificielle, biologie, bioinformatique par exemple, etc. Et donc il y a la possibilité d'avoir
un label à votre diplôme, ensuite, par exemple, si vous faites votre recherche en biologie computationnelle, d'avoir le titre biologie computationnelle. Mais enfin, ce n'est pas nécessaire. Hein. Vous pouvez décider plus tard, vous pouvez varier les cours, hein, prendre un cours en infographie, puis un cours en biologie computationnelle, et puis un cours en informatique quantique. Alors, par contre, le bloc 77, c'est le bloc d'apprentissage automatique. Ça, c'est un peu particulier. Donc, en fait, la structure de la maîtrise pour le bloc 77, c'est un peu différent. Donc, c'est appliqué. Donc, vous avez, donc, pour la maîtrise, en fait, c'est 4 cours. Maintenant, pour le bloc 77, la maîtrise qu'on appelle maîtrise professionnelle, vous devez prendre 6 cours. Et donc, c'est une maîtrise par stage. Et c'est une maîtrise qui se fait en partenariat avec le MILA. D'ailleurs, vous avez Philippe Doyon ici qui s'occupe des dossiers des étudiants en maîtrise professionnelle, donc en DESS, donc en partenariat avec le MILA, qui pourra répondre aux questions aussi. Alors, voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire ici? Voilà, que c'est en fait que c'est un. Ah oui, ce que je veux dire, c'est que pour la maîtrise professionnelle, donc là, ce n'est pas une maîtrise recherche, c'est une maîtrise avec stage. Et puis, là, par contre, l'admission se fait, donc l'admission au programme en partenariat avec le MILA se font juste pour l'automne, donc pas à l'hiver. Et puis, l'admission se fait en 2 étapes. Et vous devez faire 2 choses. Donc, vous devez envoyer, faire votre demande au MILA. Et donc, vous allez voir, c'est très bien indiqué sur le site. Donc, vous devez remplir un formulaire pour le MILA et aussi faire une demande d'admission au département d'informatique. Voilà. Et donc, si vous êtes admis, vous êtes admis au département d'informatique, sauf que le MILA fait sa première sélection d'étudiants pour être certain. Donc, les étudiants qui sont admis en maîtrise bloc 77, eh bien, ils sont garantis d'avoir un professeur qui va les superviser pour leur stage. Et donc, c'est comme ça que ça se passe pour ces programmes-là. Vas-y, Michel. Et donc, le DESS, c'est le deuxième programme qui est donc en partenariat, qui se fait en partenariat avec le MILA. Alors, donc, la maîtrise est en 2 ans, le DESS se fait en 1 an, donc c'est plus court. Donc, c'est un programme de 18 crédits de cours, donc ça fait un peu plus que 4 cours. Voilà, donc 4 cours et un peu plus. C'est ça, oui. Et puis, le stage est plus court, il se fait sur 4 mois. Bon, écoutez, et puis c'est un programme gigogne, donc c'est un programme plus court, donc c'est un DESS, mais vous avez la possibilité, quand vous avez d'avoir une passerelle avec la maîtrise en informatique. Donc, si vous voulez continuer avec une maîtrise, eh bien, c'est un programme qui est, voilà, le passage est facile avec la maîtrise en informatique, la maîtrise professionnelle, en fait. Voilà, tu peux continuer. Là, je pense qu'on a pas mal dépassé, hein. Et puis, vous avez le doctorat en informatique. Écoutez, donc, un doctorat, là, par contre, oui, pour être admis au doctorat en informatique, eh bien, il faut avoir au préalable l'acceptation d'un directeur de recherche. Donc, il faut qu'un professeur ait accepté de vous diriger. Et bon, et donc, dans ce cas-là, vous planifiez un plan de financement sur 4 ans. Voilà, et donc, je pense que vous savez un peu ce que c'est que le doctorat. Et puis, je pense qu'on a pas mal dépassé notre heure, n'est-ce pas? Alors, je vais m'arrêter là. Bon. Donc, Robin, tu veux parler quand même, non? Oui, oui, bien sûr. Donc, rapidement. Ben, je me présente. Je suis un ancien étudiant de l'Université de Montréal. Donc, j'ai fait mes études ici au DIRO, au département d'informatique. J'ai travaillé ensuite en entreprise pendant 2 ans et demi et me voilà conseiller pédagogique au département. Donc, moi, j'aimerais vous parler un tout petit peu d'expérience, surtout d'expérience étudiante. Et je vais commencer par la vie étudiante. Donc, c'est quoi la vie étudiante au département d'informatique? On a l'association IDROOM, qui est l'association qui représente les étudiants en informatique au DIRO, qui est très important. C'est elle qui vous représente. Elle organise aussi beaucoup d'activités comme des 5 à 7, des intégrations, divers événements.
Donc, c'est assez important qu'on ait en informatique. Il y a aussi la FAICUM, qui est l'association qui englobe les associations du campus de l'Université de Montréal en général. Et ils organisent, par exemple, des fêtes plus grandes, par exemple, une fête de la rentrée ou des carnavals, des choses comme ça. Donc, il y a une vie étudiante au niveau du département, mais aussi au niveau du campus. Ensuite, il y a le CEPSUM, donc le Centre d'activité sportive, dans lequel on peut pratiquer beaucoup de sports. En tant qu'étudiant, vous avez accès gratuitement à la majorité des installations. Il y a les activités artistiques et culturelles du SAC, donc le service des activités culturelles de l'UDM, où est-ce que vous pouvez explorer différents arts pour votre curiosité personnelle, donc élargir un peu votre culture générale à part l'informatique. Et sinon, il y a beaucoup de services de soutien aux étudiants qui existent à l'Université de Montréal, autant du soutien à la réussite et du soutien pédagogique, des services de psychologie, etc. Donc, on est bien soutenu ici en tant qu'étudiant. Je vais parler un peu aussi d'une journée typique. À quoi ressemble une journée typique d'un étudiant en informatique? On peut parler aujourd'hui, mercredi, vous venez à l'université, vous avez un premier cours auquel vous assistez, un cours théorique, suivi d'un second cours dans un autre pavillon peut-être. Vous avez une pause pour le dîner où est-ce que vous allez chercher un sandwich au café bénévole qui est géré par des bénévoles de l'association étudiante, mais des étudiants en informatique et de mathématiques. Vous prenez un sandwich, vous pouvez manger dehors s'il fait beau pendant l'été ou quand la température le permet, sinon vous allez dans le local étudiant ou vous restez au café. En après-midi, vous pouvez avoir une séance de travaux pratiques où ce que vous travaillez en équipe ensemble sur un certain projet et il y a un démonstrateur qui va se promener pour vous aider. À la fin, vous allez terminer votre séance de travaux pratiques, vous allez au local d'association et vous allez jouer, par exemple, vous allez discuter avec des amis, vous allez jouer à un jeu vidéo ou un jeu de cartes avec d'autres collègues et discuter d'informatique. Et à la fin, vous pouvez peut-être vous joindre à un club, après ça, attendre un ami pour aller au centre sportif. Peut-être qu'il y a un 5 à 7 qui va être organisé. Donc, il y a quand même beaucoup d'options qui sont possibles. Une session typique en informatique, surtout au baccalauréat, évidemment, ça commence plus doux et ça devient un peu plus intensif au fur et à mesure que le temps passe. Vous connaissez surtout bien les études déjà au cégep ou à l'université en général. Quand il y a les examens, c'est un peu plus rushant, mais c'est important de bien planifier soi-même la répartition des travaux. Le haut baccalauréat, surtout le baccalauréat en informatique, vous allez voir en première année, vous avez des cours obligatoires d'informatique fondamentale. Ensuite, vous allez avoir en deuxième année des cours plus avancés, par exemple des cours de base de données, d'algorithmique, de structure de données. Et rendu en troisième année, vous avez énormément de choix. Donc ça, c'est des cours spécialisés dans lesquels vous choisissez est-ce que vous aimez la bioinformatique, l'apprentissage machine, le quantique. Donc, il existe une panoplie de cours comme ça. L'approche pédagogique dans notre département, c'est de vous donner des bonnes bases d'informatique. Donc, on veut vraiment que vous connaissiez les fondements de l'informatique connaître une technologie en particulier. Donc, on vous donne des bases, puis ensuite, vous pouvez apprendre n'importe quelle autre technologie, car vous allez avoir des bases fondamentales en informatique. Donc, c'est sûr qu'on a une approche qui est plus théorique et c'est ça. Donc, on apprend les fondements plus qu'une technologie et on a une très grande force en recherche. Donc, ça, c'est notre département. Personnellement, ce que moi, j'ai aimé durant mes études, c'est le choix de cours, surtout en troisième année, cette liberté de prendre vraiment des sujets qui nous intéressent. Donc, on nous a donné les fondements, on nous a donné des cours avancés et on arrive avec des cours qui sont plus poussés. Ce que j'ai aussi aimé, c'est l'expertise des profs, en particulier sur ces cours de troisième année, où ce que c'est les cours où ce que les professeurs sont passionnés de vraiment dans leur domaine. C'est vraiment intéressant de les écouter et de s'abreuver de ces connaissances-là. Donc, c'est ça. Et pour finir, je voulais juste parler d'une petite question qui revient quand même régulièrement. La différence entre un baccalauréat en informatique à l'Université de Montréal avec un baccalauréat, par exemple, en génie logiciel à la Polytechnique. C'est quelque chose que beaucoup de gens nous demandent. C'est quoi la différence? Donc, c'est sûr qu'on demande la question parce que, a priori, il semble avoir quand même une grande similarité. Ces deux baccalauréats qui touchent l'informatique. Il semble avoir beaucoup de cours qui sont partagés. Mais là, je vais vous donner juste une petite définition
un peu plus détaillé de la différence entre les deux programmes. Donc, je me base sur des documents de l'ACM, donc l'Association for Computing Machinery. Donc, le baccalauréat en génie logiciel, l'objectif, c'est de former quelqu'un qui est capable de participer à différentes étapes au cours d'un développement, du développement d'un logiciel. Donc, de la conception et de la demande des requis jusqu'au déploiement et la maintenance. Donc, on veut construire un logiciel qui est fiable, qui répond bien à ce qu'on a demandé et qui se tient, et surtout des logiciels de petite jusqu'à des très grandes tailles. Donc, ça, c'est l'objectif principal. Donc, généralement, le baccalauréat va être plus orienté travail en équipe et projet. Par contre, la différence avec le baccalauréat en informatique, c'est que nous, on a un baccalauréat en sciences. Donc, c'est plus un baccalauréat de sciences informatiques. C'est quoi nos objectifs? C'est plus davantage axé à trouver des solutions efficaces pour des problèmes complexes en informatique. C'est de trouver des nouvelles façons d'utiliser des ordinateurs. Par exemple, on peut voir avec l'apprentissage machine présentement, c'est quelque chose qui a fait une révolution avec les ordinateurs. Et bien sûr, savoir bien développer un logiciel. Donc, même s'il y a des grandes similarités, la différence, c'est vraiment ingénieur versus scientifique. Donc, on peut voir ça de cette façon. Mais encore une fois, vu que c'est très similaire, au niveau du marché de l'emploi, souvent, c'est assez interchangeable, mais ça dépend de vos préférences personnelles, ingénieur versus scientifique. Donc, voilà, ça conclut ma partie. Et maintenant, on aura une période de questions où vous pouvez lever vos mains ou les écrire sur notre section questions-réponses. Oui, mais je vais quand même rajouter un petit commentaire au sujet de la différence. Il faut quand même se rendre compte que notre baccalauréat, c'est un programme de 90 crédits. C'est quelque chose qui se fait en 3 ans. Les programmes de polytechnique sont des programmes d'ingénieurs qui se font en 4 ans. Donc, ce sont des programmes de 120 crédits au lieu de 90 crédits. Ça fait quand même aussi une différence qui peut être sensible pour des étudiants quand ils sont des étudiants étrangers, parce que le fait d'être ingénieur au Québec, ça donne des possibilités. Quelqu'un qui termine les cours à Polytechnique a la possibilité de devenir ingénieur s'il paye sa cotisation à la corporation. Ce n'est pas comme ça pour quelqu'un qui termine un bac en informatique. D'un autre côté, si quelqu'un est un étranger, est-ce que ça vaut la peine, je ne sais pas, de faire l'année additionnelle. L'autre option, si on a 4 ans à apprendre pour faire des études, on pourrait aussi faire un bac en informatique et ensuite faire un DESS et avoir une formation aussi intéressante. Donc, les choix peuvent se faire en fonction du type de poste ou du type de gestionnaire qu'on veut être. Ça peut aussi être en fonction des professeurs avec qui on veut travailler ou des domaines qui nous intéressent. Et là, ça vaut la peine de fouiller, de regarder qui fait quoi au département d'informatique, qui fait quoi dans un autre endroit. Est-ce que ça nous intéresse? Et de faire son choix. Donc, on peut aller avec les questions. Est-ce qu'on se montre peut-être que j'arrête de faire un share screen, si je trouve? Et là, nous voilà. Je ne sais plus où regarder parce que j'ai 2 écrans. Pour les questions, j'aimerais juste dire que pour les questions, on a quelques minutes avant le mot de la fin. Donc, on va peut-être avoir la chance de prendre 1 ou 2 questions, mais des réponses concises. Ah, d'accord. On est 38. Ouais. J'ai calculé 38 minutes, il y avait 45. OK, c'est beau. Là, je vois, il y a une question sur la maîtrise et le doctorat. On demande si c'est plus facile d'intégrer, quand on est étudiant étranger, si c'est plus facile d'intégrer la maîtrise que le doctorat. Je dirais oui quand même. Mais en tout cas, pour le doctorat, c'est sûr qu'il faut trouver un directeur de recherche qui accepte de vous encadrer. Et c'est plus et pour le doctorat, donc le prof doit avoir aussi la possibilité de soutenir financièrement l'étudiant pendant 4 ans. Alors, c'est sûr que c'est plus difficile que de trouver quelqu'un de trouver un professeur qui est il y a aussi ça, il y a aussi le financement qu'il faut tenir en compte pour la maîtrise et le doctorat. C'est sûr que c'est plus facile pour un professeur d'avoir un financement de maîtrise qu'un financement de doctorat. Oui, et puis c'est vrai que les exigences pour le doctorat sont quand même plus élevées. La moyenne demandée est plus élevée pour le doctorat. Et puis bon, pour le doctorat, il faut
avoir, être rentré en contact avec un prof, un professeur qui accepte que vous vous soyez entendu sur un sujet de recherche. Et voilà, donc c'est en gros, c'est ça. Là aussi, il y avait une question sur la DESI, sur le certificat. Quelqu'un demandait, et donc s'il fallait avoir des connaissances préalables en informatique pour le certificat, je dirais que non. Hein. Je laisse Michel et Michel répondre. Non, ce n'est pas nécessaire. D'un autre côté, quelqu'un qui a déjà fait un peu d'informatique, qui peut se faire dispenser d'un premier cours de programmation, cette personne-là pourrait terminer le certificat en un an. Donc, il y a quand même avantage à avoir déjà fait de l'informatique, mais on ne suppose aucune connaissance d'informatique. Est-ce qu'il y a des questions récurrentes? Je n'ai pas tellement regardé, Philippe, parce qu'il y a des choses qui sont un peu difficiles. Je ne sais pas. Là, est-ce qu'il y a des questions récurrentes? En fait, il y a beaucoup de questions. Parfois, les gens vont exposer leur cursus académique. Donc, c'est vrai que ce qui est important de savoir, c'est que pour que votre profil académique soit analysé, évalué, bien entendu, on invite les futurs candidats à déposer une demande d'admission dans le but que votre dossier soit évalué par le comité évaluateur au sein du département. Puis, par la suite, une décision sera rendue sur votre admission, si vous êtes admis au programme souhaité ou refusé. Dans un tel cas, vous pourriez poursuivre votre démarche, votre questionnement, à savoir quels seraient les cours que vous pourriez suivre pour éventuellement intégrer un programme chez nous. Bon, il y a peut-être un commentaire qui mérite d'être fait ici, c'est qu'un étudiant qui fait application au baccalauréat, à la majeure, à la mineure, au programme de premier cycle, son dossier est analysé par l'université et pas analysé par des professeurs du département d'informatique, alors que quelqu'un qui fait application au DESS, à la maîtrise, au doctorat, son dossier est analysé par les professeurs ou par un comité du département d'informatique. Et donc, ça donne le sens de l'intervention qui vient d'être faite, effectivement. Et surtout, si on veut être au doctorat, il faut avoir un directeur, donc il faut avoir déjà contacté quelqu'un du département d'informatique. Alors, combien coûte le master? Les questions de coûts, je n'ai pas mis de lien sur les coûts, mais il y a un lien aussi sur le site de l'université qui permet de calculer le coût des études en fonction des programmes qu'on fait. Ça permet aussi de savoir quel est le coût par crédit, si on fait ça par crédit. Je pense que si on fait plus que 15 crédits, on paie pour seulement 15 crédits. Et il y a aussi un lien qui indique que les bourses qui sont accordées aux étudiants étrangers qui se trouvent sur le site que je vous ai montré, le site du département. Et si on suit les liens pour soit le DIRO ou soit sur le site du bureau des admissions, on a le coût des études. Ou sinon, on fait un Google coût des études, Université de Montréal, et on trouve. Je pense qu'on devrait conclure. Maintenant, il était 44. Il était 44. Donc, merci à tout le monde d'être venu. Merci beaucoup. Bon, merci. Voilà. Je n'ai pas regardé combien de gens étaient effectivement présents, mais bon… En temps normal, on a une journée, je crois. Hein. C'est sûr que répondre aux questions en 5 minutes, là, il y a beaucoup de questions. Écoutez, quand ça sera plus, on sera plus en condition de COVID, on pourra le faire sur place. On est plus longtemps avec vous sur place, là, mais là, on n'a que 45 minutes. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Mais allez déjà naviguer sur le site. Et puis, écoutez, pour la maîtrise, le doctorat, comme je vous dis, il faut aller voir le profil des professeurs aussi, savoir ce que vous voulez faire et puis contacter les profs. C'est important pour la maîtrise et le doctorat. C'est la chose à faire. Voilà, en plus de faire sa demande d'admission. Et puis, je dois dire que pour le MILA, j'ai dit que pour le MILA, c'était à l'automne. Ben, pour l'automne, malheureusement, c'est trop tard, hein, pour le MILA. Donc, ça sera pour l'année prochaine, les admissions à la maîtrise professionnelle au MILA. Bon, ben, moi, j'ai 44, donc on aurait peut-être encore 2 ou 3 minutes, mais bon, si on juge qu'on a écoulé le temps qui nous était alloué, je remercie tout le monde, je remercie les participants et on va terminer ici la rencontre. Et bonne session. Au revoir. Au revoir.